Et dès comme ça là, tu dois mettre ça, c'est un micro sans fil. Il n'y a que du fil. C'est pas une verrue, hein? C'est pas un point noir, hein, que j'ai là. Là, c'est pas un furoncle, hein? C'est un furoncle, il ne faut pas toucher. Pas toucher un furoncle! Tu peux te furonculer. Là, c'est un microphone, hein? C'est bien, c'est pratique, c'est discret, c'est caché dans les cheveux ici derrière, hein? Tu vois rien du tout. Et alors, ça, elle a dit, ça, le petit boîte ici, ça, elle a dit, tu dois mettre dans le poche pétard. Revolver, ja. D'abord voir s'il n'y a plus un revolver dedans ou quoi, non, ça va. Tu dois mettre, regarde, ici, un petit pince, hein, comme ça, ici. Oh, un petit pince, là, que ça tient bien, hein, ça. Allez, je vais montrer comment tu dois mettre, hein. Tu mets comme ça, tu enlèves, c'est facile, hein. Tu enlèves, tu mets ici, tu passes comme ça, derrière, ça. Très vite. Et alors, tu ouvres le petit pince, tu vas trouver dedans, hop, là, tu mets dedans, hein, tu remets le frac, hein, comme ça, hop, voilà, tu caches le fil, c'est un micro sans fil. C'est bien, hein, ça, hein. C'est la technique, hein, c'est bien. Et alors, ici, ça, c'est mon petit bout. Ça, c'est mon petit bout, ça, ici, tu vois? Tu veux toucher, ça, c'est bien, hein. C'est par là qu'il y a les ondes hertziennes qui passent ici. Par le petit bout, il y a les ondes hertziennes qui passent. Ça s'appelle comme ça, hein? Ondes hertziennes, c'est parce que c'est monsieur Hertz qui l'a inventé, ça. Maintenant, il loue des voitures et tout ça, hein, tout ça, voilà. Ça, alors moi, je dis des ondes hertziennes ici, dans le petit bout ici, hein? Et alors ça va dans le fil ici, derrière, comme ça, hop, par autour, ici, comme ça, autour, puis là, ici, hop, dans le petit boîte là, ici, ça va là, hertzien, comme ça, hein, alors, et alors ça va dans la grande boîte, que c'est l'amplificateur, là-bas, ça revient dans le fil, comme ça, hop, de l'autre côté, dans les boxes, et alors tu entends qu'est-ce que je dis. 5 minutes après, hein, parce que ça... Non, c'est pas vrai, hein, ça va... Ça va très, très vite, hein. Ça va vite comme la lumière ou comme l'électricité, hein. 300 000 kilomètres en une seconde, hein, ça va. 300 000... Ça, il peut toujours essayer de flasher, ça, hein, il peut toujours essayer. Ah, ça va très, très vite, hein, ça. Mais c'est très important... qu'il n'y a rien devant, hein? Parce que s'il y a quelque chose devant, alors ça hertzien, botsing, et ça revient. Allez, si maintenant je mets ma main devant... En plus, qu'est-ce que je dis alors, hein? Hein? Si je mets ma main devant, je dis qu'est-ce que je veux alors, hein? Alors je dis, vous êtes tous des... Tu sais pas qu'est-ce que j'ai dit, hein? Tu sais pas... Allez, tiens, regarde, mets ta... Tu dois dire quand tu enlèves, hein? Allez, c'est la technique, hein, c'est bien. Hey, j'ai eu un stut, moi, dans le cours de la loge, le WC, allez. J'avais juste fini, hein? Et il y a une personne qui vient parler avec moi comme ça, hein, et qui dit à moi, qui dit, Monsieur Dirix. Elle avait reconnu, hein. Moi, c'est Luc Dirix, hein. TV Thor. Thor Houtwerchter, hein. Moi, je suis reporter, là. Hein. Et alors, cette personne, elle dit à moi, mais j'étais gêné, hein, j'étais gêné. Elle dit comme ça à moi, elle dit, Monsieur Dirix, est-ce que vous savez ça, que vous avez des beaux yeux bleus? J'étais gêné. Je l'ai dit, hein, je l'ai dit à la personne, là. Hein. Je dis, allez, arrêtez, hein, vous me gênez, hein, monsieur. C'est une tempête, hein, ça. C'est une tempête. Mais allez, bon, j'ai quand même parlé avec lui, hein. C'est un chanteur. C'est un chanteur, mais un bon chanteur, hein. Le fait fort, Liège.
Un vorst voor een national te saint la fin. Et c'est vrai, elle l'a dit, c'est elle a fait un cigare. Un tabac. La fin un tabac, ça l'a dit. Et c'est vrai, parce que TV Tor, on est allé là-bas pour aller filmer, pour un peu d'aller, pour voir les voyeurs qui ont voyu le spectacle. Alors on a demandé un peu les imprimeries, pression, ja. Et alors on a demandé, eh ben, il y a seulement deux qui ont dit on n'aime pas beaucoup. Mais les trois autres ont trouvé ça formidable, hein. Non, c'est un bon chanteur, hein. Et alors il joue un instrument, hein, pour s'accompagner, hein. Il joue avec une flûte, Là, il chante et il joue la flûte, hein. Ça fait... Je sais par où il chante, hein. C'est une tapette. Mais ça, elle a fait un chien avec lui. Un chien de... méchant Doberman, comme ça. Doberman, il regardait méchant, comme ça. Ouais, moi j'aurais mieux aimé un petit Yorkshire, hein, ou quelque chose, hein. Parce que le petit Yorkshire, j'aurais pas laissé finir de faire pipi sur ma jambe, hein, ça. Mais le Doberman, vous avez dit, ça va, laissez seulement, c'est pas grave. Hein. Il est assez près comme ça, sinon je mets ma jambe un peu comme ça. J'ai encore une qui est sec, hein, c'est pas grave. Moi j'étais fâché. Hein. Quand il était parti un peu plus loin, j'ai quand même crié. Hein. J'ai crié, imbécile. T'as de bonnes oreilles, un Doberman, hein? Et il s'est retourné comme ça, hein? Comme s'il demandait qui est-ce qui a dit ça? J'étais tout seul! Alors, il est arrivé comme ça, hein, sur la porte de derrière, hein, il a fait... Ouh! C'est aussi une tempête sur Doberman! Ouais, j'aime bien les bêtes, hein. À la maison, on aime bien les bêtes, hein. J'aime bien les... Mon ancien chien, c'est Blacky. Il est tout blanc, hein. On l'a fait exprès, ça va... Au début, il était fâché, maintenant, il rigole avec nous, hein, maintenant. On sait pas qu'est-ce que c'est. C'est un petit bâtard zinique comme ça. Allez, c'est parce qu'on l'a cueilli, hein? Recueilli. Ja, mais si on a recueilli, quelqu'un a cueilli avant quand même, hein? Allez, on a recueilli. Et alors, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. On croit, hein, quand on regarde comme ça, on dit ça, c'est sûrement un croisement. Avec un Yorkshire, justement, et un Saint-Bernard ou quelque chose comme ça. Sûrement. Ça, et alors, la maman, c'est le Saint-Bernard, on croit. Allez, on espère quand même, hein, parce que ça... Mais c'est un bon chien. C'est un bon chien de garde. Hein. Il dort avec nous dans la chambre. Il dort au pied du lit, là. Hein. C'est un bon chien. S'il y a un petit bruit dans la maison, hein, tout de suite, moi, je le réveille là-bas. Hein. Oh, on dort tranquille, hein? Oh, tranquille. C'est un bon chien. Quand elle était jeune, hein, elle était petite. Oui, ça, c'est normal, mais elle avait les poils qui étaient déjà aussi longs que maintenant. Hein. Maintenant, elle est comme ça. Hein. C'est un boule de poils, hein, quand elle était petite. Boule. Tu savais pas où était le devant, le derrière. Ça, tu savais pas. Hein. Oui, et quand il bougeait, alors... le devant, il est là. C'est pas souvent qu'il y a une marche arrière là-dessus. Hein, pas souvent. C'est une option, hein, ça. C'est... Ou alors, on attendait qu'il ablaf, hein, aboie. Il disait, c'est là. On savait comme ça que... Oui, elle était gentille, Je sais encore, il y avait beaucoup de monde ou des amis à la maison comme ça. Et alors, il était sur mes genoux, hein. Et en une fois, je dis, mais regarde comme il est gentil. Il suce mon doigt maintenant.
Et alors dans l'autre main, il mangeait des biscuits. Je dis, alors il a deux têtes, hein, ce chien. Hein, ça, c'est pas possible, hein, mais... Voilà. On aime bien les bêtes, hein, on aime bien les bêtes. On a un chat aussi, hein. Un chat. Un chat, un chat. On l'a reçu, il était tout petit comme ça, tout petit ici. Ouais, c'était un mâle, hein. Il était fier déjà, il marchait comme ça. Très fier. Hein. Alors, on l'a donné un nom, on l'a appelé Taras Bulba. Taras Bulba. Taras Bulba, viens ici, il partait tout de suite. C'est un bon chance. Mais alors, il est devenu grand, toujours plus grand. Alors, il partait, beaucoup de la famille, chez les voisins, tout ça. Alors, on a coupé un petit bout. Ça se voit pas, mais c'est un petit beau. Hein. Et alors, on a aussi changé son nom, plus Taras Bulba. Hein. Taras Ba, ça se fait parce que ça. Sinon, on aime bien. On aime bien le bête à la maison. Pourquoi moi, je suis venu ici? Ah, ja, ja, ja. C'est Marc Herman. Il a demandé que c'est moi qui fais la présentation. Parce que moi, je suis Luc Dirks. TV Thor. Thorot Werchter, hein? Ja. C'est un professionnel. Hein. Alors, je fais ça avec beaucoup de plaisir. Hein. Je fais la présentation marocaine. Oh. Chers voyeurs, chères voyeuses. Kijkers, hein. C'est Wolke qui a écrit la présentation pour moi cet après-midi à la clinique. Hein. C'est Wolke. Wolke, c'est ma femme. Hein. C'est ma femme, Madeleine. Madeleine, Len, Wolke. Hein. C'est ma femme. Et c'est elle qui a écrit à la clinique pour... Elle n'a pas de problème, hein? Il n'y a pas de problème, Wolke. On est été à la clinique pour donner une visite à un copain de moi. Il a eu un accident de train. C'est Sacha. Il a eu un accident. Il n'a pas la chance, hein, Sacha. J'étais avec lui dans le train, hein? Et il avait trop chaud. Alors il ouvre la fenêtre comme ça. Et pour avoir sa tête dehors et avoir un peu de vent comme ça. Et moi je dis, mais Sacha, fais pas ça, c'est dangereux ça que tu fais ça là, ça là, allez, hein. S'il s'appellerait Yann, ça serait plus facile, hein. Je dis, c'est pas de problème, je connais le chemin par cœur. Avec sa tête dehors comme ça, je suis abonné. C'est vrai, il est abonné, hein, on fait le chemin tout le temps. Je dis, mais ça, fais pas ça, c'est dangereux. C'est un train qui arrive de l'autre côté, c'est une botte dans ta tête, mais c'est pas de problème. Je sais même dire que dans 50 mètres, il y a deux piliers en béton là. Comme ça, une tête. Ça. Pas la chance. Ça, il était encore à la clinique, il y a une année, un petit peu plus, avec un bras cassé. Parce qu'il a voulu éviter un petit enfant. Il a stoppé net. Il s'est retourné et il est tombé du lit. Mais 9 mois après, le petit enfant, il était quand même là. Hein. Non, il n'a pas la chance, hein, il n'a pas la chance. Quand on achète un veston, il y a toujours une manche qui n'a pas le trou, hein, ça. Allez, il y a 5 années, 6 années, je ne sais plus bien. Et il y avait eu beaucoup de vent, là, hein, beaucoup. Hein. Et alors, il y a des tuiles qui avaient bougé sur le toit de Chassa, sa maison. Hein. Il dit, pas de problème, il prend l'échelle. Hein. Mais il sait qu'il n'a pas la chance, hein, Chassa. Alors, il prend une corde comme ça, qu'il met autour de lui, bien serré. Hein. Et l'autre côté, il lance au-dessus et il dit, attache ça une fois là-bas. Et alors on a attaché, ça bien attaché au pare-choc de la voiture. Hein. Et alors sa femme elle est allée faire les commissions. En vitesse, elle a dit. Ah, hein, il est allé avec, hein. Avec ses dents, il a enlevé tous les tuiles comme ça, c'est rangé. Et il a juste fait prendre une bâche plastique, et il a fait des parachutes pendant 5 kilomètres. Et en bas, tout le monde croyait que c'était de casse-kermis. Bravo, bravo! Il n'a pas la chance, hein.
Et là, par la chance, l'auto, elle est passée en dessous du pont de chemin de fer. Et là, encore une fois, pris le train, hein. Ah, il est abonné, hein. Ouais, ça, ça. Allez, présentation. Voyez, voyez. J'ai le grand plaisir de présenter ce soir un grand artiste. Qui va présenter sa représentation. C'est pas très bien rédactionné, hein, c'est pas très bien. Sa représentation qui est inutile. Qui est inutile. Dat kan niet zijn, hè. Inutile. Qui est intitulé. C'est une faute de top. C'est une faute de... Allez, une faute de type. C'est une faute de type qui a tapé. Je sais qui a tapé, hein. C'est Raoul. Mon beau-frère. Ça, c'est un imbécile, ça. Il sait toujours tout mieux que les autres, hein, Raoul. Raoul, hein, il a 38 ans, il est encore à l'université. Hein. 15 années qu'il est dans la première année. Hein. Et toutes les années, on demande. Hein, on dit, et alors Raoul, les examens, comment ça a été? Et chaque fois, il dit, comme une prout sur un kawé. 15 années qu'il dit ça, hein, comme une prout sur un kawé. Moi, je voudrais voir le kawé, moi. Ouais, le dernier examen, c'était un examen physique. Physique, hein. Alors, il y a le professeur qui demande à Raoul comme ça. C'est pas lui qui a expliqué, hein. C'est un student qui était là, qui a tout vu, tout entendu. Il a dit à nous. Alors, il y a le professeur qui demande, il dit, Raoul, parce qu'il l'appelle Raoul, hein. Il y a 15 années qu'il vient maintenant, hein, c'est un bon client. Hein. Alors il dit comme ça, il dit, Raoul, explique une fois comment ça marche un frigo. Ben, Raoul il dit, allez, ça c'est pas la même question que l'année passée. Hein, c'est la même année, pourquoi il pose pas la même question, pourquoi ça sert alors que je recommence tout le temps. Alors, il cherche quand même dans ses pansements, hein. Et alors, et il dit, oui, ça va, j'ai trouvé. Et il fait au tableau, il fait le schéma. Le schéma? Le quoi? Chez moi? Chez toi, si tu veux, c'est bien. Allez, il fait le petit dessin, hein, avec le petit frère. Et alors, 10 minutes plus tard, hein, il y a le... Professeur, il vient un peu regarder qu'est-ce qu'il a fait. Il dit, mais c'est bien ça, Raoul. Ça, c'est bien, qu'est-ce que tu as fait là? Tu viens juste d'inventer le four en micro-ondes, hein, là, bien. Hein? Là, il était pété, hein. Busé, hein. Examen de philosophie, aussi pété, busé. La question, c'était, qui habitait dans un tonneau? Tu sais qui habitait dans un tonneau? Moi aussi, j'aurais dit Eugène. Hein? Eh bien, mais Raoul, il ne sait pas. Hein, il ne sait pas. Alors, il a triché, il a regardé chez son voisin. Mais le voisin ne connaît pas la réponse. Alors, il a mis, je ne sais pas. Et Raoul, il a mis, moi non plus. Pété, busé, hein. Ah, c'est un imbécile, hein, Raoul. Allez. Donc, représentation qui est intitulée Le Stut. L'artiste qui est dans le culasse. Le coulisse. Le coulisse. Comment tu sais lire ça de là, toi, hein? Là, c'est pas bien traducté. C'est pas bien. Je sais qui a traducté, hein? C'est Roselyne, hein? Roselyne, moi, je l'aime pas bien. Je l'aime pas bien. C'est la femme de Raoul. Mais c'est une... Ouais, valse cute, Hippocrate. Hippocrate, tu la connais aussi, hein? Ja, Hippocrate.
Ça n'est pas crétin. Et alors, hein, elle dit toujours à moi que je dois faire le régime, diète. Bon, moi, je ne suis pas trop gros. Oui, je suis trop petit, peut-être, mais je ne suis pas trop gros. Hein. Et alors, elle dit, tu dois manger équilibré. Mais moi, je mange équilibré. Je mange équilibré 200 grammes de frites, 200 grammes de mayonnaise. Tu mets sur une balance, tu vas voir si c'est pas équilibré. Bon, moi, je l'aime pas, Roselyne. Et alors, c'est une menteuse. Hein. C'est une menteuse. Bon, allez, c'est la femme de Raoul, hein, mais ils sont pas mariés. Hein. Ils ont déjà un petit bébé, mais ils sont pas mariés. Hein. Ils disent toujours, on va se marier, on va se marier. Ils savent pas encore avec qui, mais ils vont se marier. Hein. Et alors, c'est une menteuse. Hein. Elle dit comme ça, elle dit... Je reviens tout de suite, hein. Je vais changer le bébé. Eh ben, elle est revenue, eh ben, c'était le même bébé. Hein. C'est une menteuse. On s'est regardé en dehors, on sait que c'est une menteuse. Hein, c'est... Non, moi, je l'aime pas bien, Rosalie. Je l'aime pas bien. Oh. Présentation. T'es ce qui est dans les coulisses a demandé que je dis aux voyeurs et aux voyeuses, demandez que je dis que c'est dans le contexte d'un ego que vous n'étiez pas sûr de l'instant. Comment parfaire dans un sectarisme l'authenticité de l'être ou alors un panacé? J'ai rien compris. À vous non plus. Ça me rassure, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez dire en bas de ça? Dames en heren, mesdames, messieurs, Marc Herman. Dames en heren, mesdames, messieurs, Marc Herman. Herman, Mark. Waar is hij? Waar is hij? Waar is hij? Un peu l'entendre. C'est le bourgmestre. C'est l'ambassadeur. Il a été plus grand, hein, ce mélange. Vous pouvez un peu parler entre vous, hein, si vous voulez. J'ai quelque chose dans mon soulier, hein, depuis l'attentat. Hein. C'est embêtant, hein, je sais pas qu'est-ce que c'est. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est embêtant. Hein. Ah non, c'est mon pied! Mais ça prend tellement de la place là-dedans, hein, que je sais rien mettre d'autre. Hein. C'est embêtant.
Oh, rêver. Ça ici, c'est le livre que Marc Herman il a écrit des poèmes dedans. Et alors après, il va lire pour vous autres. Ça, c'est le livre. Ça, c'est le livre. Tu veux une fois toucher? Tu veux aussi une fois toucher? Oh, c'est le livre. Toi aussi, tu veux une fois toucher? Oh, toi, tu touches bien. Toi, tu touches bien. Hein? Ça, c'est une bonne touche. Ça, je vais garder. Ça, c'est une bonne touche. Et ça, c'est un verre avec de l'eau dedans quand on a soif. Il a toujours dit que c'était de l'eau. Mais non, je sais pourquoi c'est un amusant. Hein, quand c'est que... Ah oui, elle va arriver. J'ai eu un stut, moi, quand je suis allé être au coiffeur. Ah, et un stut, là. Si j'ai le temps, je le raconte. Allez, je fais. Si il arrive, j'arrête. Hein. C'est Wolke qui dit comme ça, dit, Luc, tu dois aller au coiffeur parce que demain, c'est le mariage de ton patron. Hein, de mon patron, j'étais vêtor, hein, c'est vrai. Et alors, je dis, ça va, Wolke, je vais faire ça. Moi, j'aime pas beaucoup aller au coiffeur, c'est du gaspillage. Hein, je paye le même prix, y a rien à faire. Mais elle dit, tu dois un peu éclaircir autour de la clairière ici. Donc, je dis, ça va, je vais faire ça, je vais. Il y avait une ambiance, là, dans le salon de la coiffure, là. Une ambiance, un monde qu'il y avait. Et le patron coiffeur, il était de mauvaise humeur, hein, parce qu'il y a la moumoute du bourgmestre qui ne voulait pas coller sur sa tête. Hein. C'était à Saint-Josse, là, hein. Il ne voulait pas coller sur sa tête. Il avait déjà essayé le colprit, les agrafes, ça ne voulait pas tenir, il était de mauvaise humeur. Heureusement, il a pris deux apprentis, le patron coiffeur et Wolke. Elle avait pris rendez-vous pour moi. Hein. Alors moi, j'arrive et tout de suite, un apprenti qui s'occupe pour moi, pour une brosse, hein, c'est facile. Et alors l'autre apprenti s'occupe de mon voisin, de moi. Lui, c'est pour le raser. Mais ça, moi, je suis sûr, il n'a jamais fait ça de sa vie, l'apprenti. Là. D'abord, il a pris le bonbon avec le mousse dedans, la professionnelle, comme ça, un bonbon. Hein. Il a secoué ça, et alors à 15 cm de la tête du type, comme le décapfoule. Hein. Tout le bonbon sur la tête de ce type. Hein. Psss, comme ça, une tête, il avait le type. Hein. Il a fait deux trous pour les yeux, un trou pour la bouche, et alors il a commencé à aiguiser son rasoir. Hein. Le type, il voyait que ça, là, hein, dans les tuyaux. Il avait les poupers. On voyait la mousse qui allait comme ça sur sa tête. Alors il a été sur le côté, hein, il a poussé la tête. Mais il avait encore plus peur, hein, le client, il allait comme ça. Hein. Alors évidemment, crac, dans sa joue, le client. Hé, hey, cet imbécile, il a coupé un morceau de ma joue en bas. Le patron, il entend, il voit qu'est-ce qui se passe. Il arrive, hein, il veut mettre une motte à l'apprenti. Mais le patron, il a des mains. C'est des pelles à charbon, hein, qu'il a. Alors l'apprenti, il a vu arriver, il s'est baissé. Paf, dans la tête du client. Le mec assommé, hein, complètement assommé. Le calme était revenu dans le salon. Moi, j'étais à côté, je faisais que j'avais rien vu. J'ai un peu enlevé la mousse comme ça sur mon tablier. Alors, il a commencé l'autre côté. Il était quand même couché comme ça. Hein. Il a commencé l'autre côté. Hein. Mais avec tout la mousse qu'il avait sur la tête, il a complètement oublié qu'il y avait une oreille en dessous. Alors, il a pris son élan, crac, l'oreille en bas. Mais le type, il n'a rien dit, hein, le type. Anastasie générale, hein. Il n'a rien dit de tout, il a fait comme ça, c'est tout.
Le patron, il n'a rien entendu, il n'a rien vu. Moi, je faisais que j'avais rien vu. Mais je regardais dans le miroir. Il était là avec son oreille dans la main gauche, avec le rasoir. Parfois, il disait, t'as pas mal, t'as pas mal. Il avait pas mal, hein, je sais rien. Alors j'ai vu, il l'a réveillé, il a dit, mets ça vite dans ta poche, ou t'as encore une baffe du patron, il a dit. Je suis parti avec une demi-brosse à moi. Moi, je fais plus jamais au coiffeur, hein, ça c'est fini, hein, ça. Je laisse même plus pousser mes cheveux partout, hein. C'est Wolleke qui a fait avec le tondeuse à la maison, l'autre côté, c'était très bien comme ça. Va arriver. Peut-être c'est bien que je lis déjà un petit poème, hein? Parce qu'il ne va plus avoir beaucoup de temps. Hein? Je vais déjà faire un peu son travail. Ah, est-ce qu'il y a des Français? Ja? Ah, je dis ça parce que c'est bien, c'est beaucoup de courage de le dire. Hein? Parce que, en général, quand ils ne sont pas nombreux, ils ne se manifestent pas beaucoup. Hein? Mais non, je dis ça parce que nous, on dit 75. Et le français, il dit 75. Hein? Ben, c'est facile, hein, parce que 60 plus 15, c'est justement 75. Hein? Alors, j'ai une petite traduction pour le français, si tu comprends pas. Voilà. Comme ça, ça, tout le monde comprend bien. Hein? Alors, donc, si tu comprends pas, tu dis. Voilà. Alors, je vais faire un petit poème, hein, que je comprends de préférence. Alors. Vendre, attends, allez, ça, voilà. Petit poème de Maracarno. Bête, non. Le doigt dans l'œil. Depuis un moment, je l'avais à l'œil. Elle me regarde et me fait un clin d'œil. Je la rejoins pour mieux lui faire de l'œil. Elle a passé toute la soirée à l'œil pour trouver le pigeon. Elle avait le coup d'œil. Allez, ben, personne n'a vu ça, hein? Personne n'a vu ça au mariage, hein? Que c'est Wolleke qui avait fait avec le tondeuse. Personne n'a vu ça, hein? Y a personne qui est venu. Hé, hey, c'est Wolleke qui a tondu ta tête. Oh, ben, quel stouf dans ce mariage! Quel cinéma! On était tous habillés comme ça, en pitelaire, là. Que de pire, ja, que de pire. C'est embêtant, hein, ça, là. Que de pire. Parce que moi, j'étais assis sur une petite tambourette très basse, comme ça. Et alors, il y a la queue de pie qui traînait par terre derrière. Il y a une madame qui vient derrière moi. Les deux pieds sur ma queue. De pie. Sinon, j'aurais dit quelque chose, hein. Mais comme ça, je l'avais pas vu, moi, hein. Et moi, il y a quelqu'un qui arrive que je connais. Je me lève, hein, pour aller dire bonjour. Elle a fait un triple salto avant. Non, allez, juste le début, hein. Les deux pieds en arrière, la tête en avant, avec réception anticipée. De la tête dans la timbale de pâté de foie du buffet froid. C'est embêtant. On s'est effrayé, hein? Quand elle s'est relevée, sa tête, c'était un pâté. Elle avait deux cornichons. Non, mais des gros comme ça, hein? Des nègres doux, comme ça, hein? Et un citron dans la bouche. C'est embêtant, hein, ça. Tout le monde avait vu ça là, hein, dans le mariage. Il y avait 250 personnes. Tout le monde avait vu ça. Plus personne qui disait quelque chose. Hein. Plus personne qui disait. Il y a personne qui avait rien préparé pour dire non plus. Hein. Juste la musique qui continuait tout seul comme ça. Quoi, ma gueule, qu'est-ce que l'homme? L'ambiance foutue, hein, l'ambiance, plus d'ambiance.
Je dis qu'est-ce que je dois faire, moi, ici. C'est le mariage de mon patron. Je dois remettre un peu l'ambiance. Alors je dis, je vais remettre. Et je crie très fort et je dis, encore du persil dans les oreilles et on dirait une tête de veau. J'ai pas eu de succès avec ça. Hein. Personne qui rigolait, là. Hein. Personne. Mon patron, il était fâché. Hein. Il criait sur moi, C4, C4, il disait. Moi, je répondais, coulez, coulez. C'est pas le moment de jouer comme Bonaval, hein. Là, c'est un pétale. Le cuisinier, il est venu là de la cuisine avec son lèche-machin, là. Il a tout gratté de la figure. Tout est venu avec, hein? Le rimmel, le maquillage, les fossiles. Il a enlevé le citron de la bouche comme ça, hein? Il l'a déposé sur la table, là. Elle mordait encore dedans! Oh, c'est embêtant, hein? Avec une fourchette dans les cheveux pour enlever le pâté de foie, pour qu'il y a pour tout le monde, hein? Parce que. C'était un mauvais commencement, hein, pour le petite fête, là. Hein. C'était un mauvais commencement. Après, ça a bien été, hein. Après, ça a bien été. Même moi, j'ai dansé avec la tête de veau, là. J'ai dansé, je faisais un petit parlotte, je faisais des petits compliments. Ah, vous étiez bien, petit sens, maquillé au pâté de foie. On va arriver. Encore faire un petit poème, hein, parce que je ne vais plus avoir beaucoup de temps. Je vais encore un peu aider. Hein. Mais il a pas donné le C4, hein, le patron l'a pas donné. C'est toujours TV d'or, toujours. Allez, ici. À vendre, te coop. C'est juste le contraire, hein. À vendre, c'est à vendre. Te koop, c'est à acheter. C'est juste le contraire. Ja, c'est comme danger de mort. En flamand, c'est levensgevaar. C'est danger de vie. Tu touches le fil électrique, tu vis. Allez, tu sens que tu vis quand même. Hein? Un pain perdu, c'est gewone brood, hein, c'est du pain gagné. C'est vrai. C'est vrai. Allez. À vendre. Celle-là, elle est très bête, hein, ça. Elle est bête, hein, ça. Allez. Suzanne, je n'aime pas cette chemise. Elle est tachetée. Tachetée. Bête, celle-là. Si elle est tachetée, eh bien, jette-la donc, Maurice. Jette-la donc, smack ze weg, jette-la donc. Mais Suzanne, bête. Suzanne, pourquoi l'acheter? Je viens de l'acheter. Il va un peu le jeter, hein, pour moi, ça c'est bête. Non, il n'a pas donné le C4. Hein. Je suis toujours TV Tor. Et même c'est moi qui suis été à Paris pour aller faire signer un contrat pour le sponsor. C'est moi. Okay. Allez, j'ai une note de service, hein, sur mon bureau un matin, hein, et de mon directeur, de patron, mais je ne sais pas pourquoi il fait ça. Pourquoi? On n'est que deux dans le bureau et il fait une note de service. Et on n'est que deux TV Tor, hein. Et c'est moi qui écris la note de service. Alors pourquoi il met ça là? Allez, il y a une note de service et dit, Monsieur Dirix, rendez-vous demain chez Maxime à Paris pour déjeuner d'affaires avec sponsor. Alors moi je dis, ça va, 7h30 du matin, je suis à Paris. Déjeuner d'affaires. Moi je ne sais pas que déjeuner, c'est le manger du midi, hein, chez vous autres. Hein. Alors oui, mais à 8h, moi j'ai faim. Et dit, bon, ben, alors je vois boulangerie, hein, je dis, je vais aller manger quelque chose, là, parce que c'est une vliegen ici. Hein. Et alors, je rentre là, je dis, monsieur, est-ce que je pourrais avoir quelque chose, un pain français ou quelque chose pour... Il dit, monsieur, ici, tous nos pains sont français.
J'étais en parlant, donne-moi un pistolet alors ou quoi? Ils disent que vous avez un port d'armes. J'étais celui-là, ils foutent ma gueule ici, hein? Je vais plus loin, là, je vois en vitrine, hein? Petit déjeuner, 50 francs. J'ai dit, oh, what, ça c'est gratuit, ça, hein? C'est 50 francs. J'ai dit, ça c'est sûrement des tout petits déjeuners. Donne trois tout de suite, j'ai dit, hein? Alors il a donné ça, hein? C'était avec trois cafés. Ils disent pas café, hein? Ils disent express. Alors j'ai regardé la carte pour voir s'il y a des omnibus ou quelque chose comme ça. Alors moi j'ai mangé le petit déjeuner, il y a même 10h30, j'avais fini, mais c'est trop tôt pour aller manger le midi chez Maxime. Alors j'ai pris un peu de la patience et un peu de l'apéritif. Et alors après, il n'y avait plus de la patience. Alors j'ai pris que de l'apéritif. Je suis arrivé là chez Maxime, slash que j'étais. Il y a un type, il est venu, il a dit, monsieur, c'est pour déjeuner. J'ai dit, oh non, hein. Déjà trois fois j'ai déjeuné, moi. Je viens ici, j'ai rendez-vous avec le sponsor de TV2 pour signer le contrat. Vous serez deux, j'ai dit, je crois. Quatre, ici, dans l'air. Alors, on a mangé. On a bu de nouveau. Mais du bon, hein. C'était tout du bon, hein. C'était trop de grand... Trop de bon vin, hein. De bon vin, hein. Mais alors, j'ai presque fait signer le contrat. Presque, hein, presque. J'ai fait une bêtise, hein, cet homme. On parlait un petit peu de ses hobbies et tout ça. Et alors, il va à la pêche, hein. Et alors, moi, je dis, ah, vous faites la pêche en mer, oui. Et alors, vous pêchez, vous savez qu'est-ce que c'est un congre, je dis. C'est une anguille de mer, comme ça. Hein, je dis ça, hein. Et alors, il dit, et vous savez qu'est-ce que c'est un congre? Et moi, imbécile, je dis, oui, gre. Il a remis son bic dans sa poche, et c'est le patron qui l'a allé arranger tout ça. Mais je suis toujours chez TV d'or, hein. Il n'a pas encore donné le 5-4. Il ne sait pas mettre tout le monde à la porte en une fois, quand même, hein? Va arriver. Il va arriver. T'as encore un petit poème, hein? Il va entendre que je viens, hein? Allez, hier, il a raconté une blague, Herman. Après le spectacle, il a raconté une blague. Attends. J'ai mis sur un papier ici, regarde, c'est ça. Ici, bon, ici. Tu vois? C'est papa lapin, fiston lapin. Tu connais? Non? C'est dommage parce que c'est un bon, hein. Ça, c'est dommage. Allez, je vais. Il n'y a pas des enfants. Ah, il y a des petits enfants quand même, hein, dans le... Tu as quel âge, ma petite chérie? 5 ans. Comprends tout déjà, hein? Et toi, tu es à quel âge? 10 ans. Non, toi, ça va, hein, c'est déjà... Oh, et là-bas, là, combien? 6 ans. Vous avez pas un Game Boy ou quelque chose comme ça? Pour être... Hein? Oui, eh bien, tu peux jouer un peu avec... Pendant 5 minutes, tu joues avec ton Game Boy, ça va? Et moi, je vais raconter une petite histoire, hein? Alors, c'est papa lapin, fiston lapin, hein? Qui discute un petit peu comme ça de la performance sexuelle, hein? Et alors, il y a Fiston Lapin qui dit à Papa Lapin, « Allez, hein, toi, tu es trop vieux, hein, tu sais quand même plus bien faire ça. » Quoi, le Papa Lapin, il dit, « Qu'est-ce que tu crois? Et moi, je suis encore... C'est pas possible, tu es trop vieux, tu sais plus bien faire le lapin, hein, manger des carottes et tout ça. Hein, hein, moi, qu'est-ce que toi, tu crois? » Il dit, « Papa Lapin, j'ai encore une bonne carotte. Hein, je sais bien faire, c'est pas possible. » Bon, tu veux qu'on fasse un petit concours? Tu veux qu'on fasse un petit concours? Ça va, on va faire un petit concours. Va dans le bois chercher les petites lapines. Hein. Ils vont dans le bois chercher 80 ou 90 petites lapines, comme ça. Ja, mais c'est des lapins, hein? Ça, hey, mange une fois des carottes pendant 2 mois, tu vas voir, hein? Moi, j'ai fait, hein. J'étais brosé que j'étais. Oh. Et alors, bon, ils vont chercher tous les petits lapins. Ils mettent tous les petits lapins comme ça, un côté de l'autre, hein, tous les petits lapins. Voilà. Et alors, il y a papa lapin commence ici. Fiston lapin commence ici. Hein. Start!
Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, on voit la peine. Hein, papa lapin de l'autre côté. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, on voit. Et fiston lapin. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, on voit la peine. Et papa lapin. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine. Et fiston lapin, lui. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, lapin. Papa lapin. Bonjour la pépine. On voit la pépine. Bonjour la pépine, la pépine, on voit la pépine, la pépine. On voit la pépine. Fiston lapin. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour la peine, on voit la peine. Bonjour papa, on voit papa. Je vais encore faire un petit poème, va arriver après. Va arriver ce soir, moi. Faire un petit poème encore. J'ai un beau essai. Attends, je vais trouver. Ça, c'est un beau, hein. C'est un beau. C'est voilà. C'est vive les femmes. Non, attends. Attends. Vive les femmes. Bernadette aura bientôt 83 ans. Son mari, Roberto, est mort il y a 15 ans. Lucie, 89 ans, elle est au bal chaque année. Jusqu'au jour où Raymond l'a quittée, l'an dernier. Dimanche, on fêtera les 100 ans de Rose-Marie. Et tout le monde regrettera son défunt Marie. Ah, vraiment, les hommes ont beau faire tout ce qu'ils peuvent. Les femmes vivent plus longtemps. Surtout lorsqu'elles sont veuves. Ben, beau maman, hein? Beau maman. Beau maman, c'est la maman de la maman de Wolke. Beau maman. Hein? Eh ben, elle a 98 ans. 98 ans et toutes ses dents dans un petit gobelet comme ça. Ah, avec du javel dedans, c'est toujours bien blanc, hein? Ouais, moi, elle l'aimait jamais. Elle l'aimait. C'est juste pour montrer, j'ai acheté une nouvelle salle à manger. Ouais, elle a son petit gobelet avec ses dents sur le petit table à côté de son relax télécommande, hein? C'est un beau moment moderne, hein, qu'on a, elle a. Ouais, relax télécommande, télévision, vidéo, CD, pour ouvrir la porte en bas télécommande, hein, pour fermer les volets télécommande. Hein. Nous, on va toujours là-bas chez beau maman, sûrement une fois par année pour le nouveau année, justement, hein, pour aller donner les bons voeux, pour boire une petite goutte, une petite goutte. C'est beau maman qui fait le service, hein. Alors, hein, elle dit, comme ça, je dois me lever qu'une fois. Comme ça, de clash, elle met, hein. Comme ça. Tu piquettes dans des verres jupilaires, comme ça, hein. Comme ça. Comme ça, de clash, hein. Comme ça. Et il y a du monde, hein. Belle-sœur, beau-frère, cousin, cousine, nerveux, nerveuse. Tout le monde, il est là. Et moi, je jouais, hein. Avec la petite voiture téléguidée, là, de mon petit nerveux, là. Ça, c'est formidable, hein, ça. Tu as ça aussi, comme ça, une petite voiture téléguidée, là. C'est formidable. Moi, j'avais quand j'étais petit. C'était pas téléguidé, hein. C'était avec une boîte, un bouton, un fil, l'auto. Et alors, tu pousses sur le bouton, bzzz, et l'auto, elle va en avant. Et quand les piles sont plates, tu tires, elle va en arrière, comme ça. C'était deux fois de plaisir, hein? Deux fois de. Mais non, c'est plus comme ça, c'est une boîte avec une antenne, hein? Boum, 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 ça va vite, hein? Ça va vite. Mais c'est pas bien réglé, hein? Le télécommande de l'auto, là, ça, c'est pas bien réglé, hein? Ça commande un peu tout le bazar qu'il y a une télécommande, là, hein, dans la maison. Et alors, moi, je fais marche avant, clip le CD qui se met en route. Funiculi, funicula, funiculi, Helmut Lotti. Je dis, oui, vite, marche arrière, paf, le relax de bon moment, position couchée. Et elle, avec sa goutte, qui c'est qu'elle a fait? Oh, mais elle chantait avec, hein? Elle chantait, funiculi, funiculi, hop. Elle est redescendue, elle a resservi tout le monde, hop, elle est retournée dans son relax, hein? Et cette voiture qui allait dans tous les sens, moi, je savais plus qu'est-ce que je devais faire, hein? Et alors, Roseline. Moi, je l'aime pas beaucoup, moi, Roseline, je l'aime pas bien, hein, c'est ma belle-sœur. Mais elle fait du football. Elle fait du sport, du football. Et elle est keeper, hein, on l'a mis là dans le goal.
Parce qu'elle ne doit pas avancer beaucoup pour réduire l'ordre, tu vois. Alors elle a dit, je vais l'intercepter. Elle a fait un plongeon sur le côté. La voiture, elle a eu peur. Elle a foutu le corps à Roselyne, pof, comme un X sur le tapis. L'auto, elle a fait le tour par derrière, dans Roselyne. Ah, elle chantait aussi, hein? Elle chantait, founicoulé, founicoulé. Ben, il y avait longtemps, je crois, il y avait longtemps. J'ai dit, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Vite en arrière. Allez, encore une fois en avant pour le plaisir, hein? En arrière, le relax de bon moment. Deuxième fois, claque position gauche. Deuxième cul-sec avec sa goutte. Elle était joyeuse. Elle criait, elle appelait Alfred, comme Zine, viens voir, comme... Alfred, c'est bon, papa. Il y a 40 ans qu'il est mort, hein? Il va pas revenir juste pour ça, quand même, hein? Et alors, Raoul, mon beau-frère, ça, c'est un imbécile, ça. Il sait toujours tout mieux que les autres. Il a dit, elle peut plus m'échapper. Il était assis par terre, les jambes cartées. Et la voiture venait juste sur lui. Et moi, à ce moment-là, je vois un bouton turbo. Je dis, c'est sûrement ça pour l'arrêter, hein? Et moi, je pousse là-dessus, l'auto, elle a été sur les roues de derrière. Oh, il aurait jamais su arrêter ça avec ses mains, hein? Oh, la voiture, elle s'est arrêtée sur la... dans les balaques de Raoul, hein? Ah, il chantait aussi, lui, hein? Il chantait funiculé. Non, c'était funiculé, 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 funiculé. Oh, bon maman, elle était contente. Elle était joyeuse. Elle a dit, j'ai plus aussi fort rigolé depuis 1923. Quand Alfred, il m'a demandé le mariage. Hein, ça, c'était astute, hein, ça. Oh, oui, ça va. Maintenant, il va arriver. Ouais, bon. Oh, faire poésie encore, hein, qu'il n'y a rien à faire, hein, faut avancer. Moi, je dis tout de bêtises ici, alors il n'arrive pas. J'ai encore raconté une blague hier, que c'était bien. C'était aussi encore bon, mais ça, je sais pas si... Tu as gagné au Game Boy? Allez, je vais le raconter, mais... T'es pas obligé de comprendre. Allez, je vais le raconter. Ah, c'est deux copains, hein? Et alors, il a un œil beurre noir comme ça. Je sais pas pourquoi on dit ça, hein, beurre noir. J'ai jamais vu ça, de beurre noir. Mais allez, on dit ça avec des pokken, des grottes et tout ça. Et le copain, il le voit, il dit, hé, tu as vu, tu as quelque chose à ton œil. Il dit, non, j'ai pas vu, mais ça tape encore dans ma tête. Je le sens, hein, que j'ai quelque chose. Il dit, mais qu'est-ce que tu as eu? Oui, c'est ma femme. Elle a tapé dans ma tête avec un pilon de dinde congelé. Oui, il dit, enfin, pourquoi elle n'a pas attendu que c'était dégelé? Ça fait quand même moins mal, hein, ça. Elle voulait faire ça tout de suite ou quoi? Enfin, je vais t'expliquer. Ma femme, elle cherchait quelque chose dans le congélateur, comme ça. Et moi, j'étais juste derrière, hein. On revenait du tennis, elle avait son petit jupe comme ça. Oui, elle était, hein? Et moi, j'étais là derrière et je vois ça, hein? J'ai dit, aïe, aïe, aïe! Pascalque, Pascalque, mais qu'est-ce que tu cherches? Je sais qu'elle cherchait dans le congélateur, mais elle cherchait autre chose aussi, c'est pas possible. Allez, moi, j'étais en forme, hein? C'était 4 heures de l'après-midi. J'avais pris des dinotoniques vitamines le matin, moi j'étais bien. Je sens quelque chose, hein, qui me pousse derrière. Quelque chose qui me tire devant aussi. Hein. Et en une fois, je ne sais plus résister. Hein. Et alors, elle a pris ce qu'elle a trouvé dans le congélateur. Hein. C'est dommage, il y avait des cuisses de grenouille là aussi. Hein.
Mais c'est un pilon de dinde, pof dans ma tête. Voilà, maintenant j'ai un œil beurre noir avec des poques de gratte. Non, lui, il ne comprend pas. Ça, c'est pas. Mais Pascal, que ta femme là. Elle aime pas ça. Faut une petite fantaisie comme ça. Allez, en passant, elle aime pas ça. Si, si, elle aime bien. Mais pas de l'aise, hein. Nou, van arrivé, hè. Tu racontes pas ça à l'école, hè, Pascal. Voilà, le stud que j'ai eu avec la voiture téléguidée, là, ça, c'était pas très, très grave, hein. Parce que moi, j'ai eu un stud beaucoup plus grave avec un vrai auto, hein. Een vrij auto had ik zei als het heer. Allee, je vais raconter. J'achète een vrij auto, automatique. Bella, automatique, c'est quand tu n'as pas le pedal pour le débrayage. Hein? Mais alors, pour le freinage, tu as comme ça un pedal. Hein? Tu n'as pas volé. Hein? Mais tu dois avoir l'habitude avec ça. Hein? Parce que quand tu as une voiture normale avec débrayage, tu pousses, hein? Et alors tu pousses sur ton pédale freinage. Hein? Mais si tu n'as pas l'habitude, avec ton pied gauche, paf, sur le pédale freinage, tu freines bloc. Hein? C'est dangereux, ça. C'est mieux que tu attaches une petite ficelle à ta jambe et au siège. Hein? C'est mieux, hein? Tu enlèves quand tu sors de la voiture, sinon tu enlèves. J'ai dit, bon, c'est bien, j'achète ça. Et le patron du garage, hein, très gentil, très sympathique, il vient apporter la voiture, comme ça, devant la porte chez moi. Hein, il donne les clés, je donne l'argent, je vais dormir, je suis content. Mais l'imbécile, il a oublié de fermer le carreau de la porte hier. De la porte hier. De la porte jeudi, allez, hein. Hein. Et alors, toute la nuit, il a Pleuté. Oui, mais non plus. Mais là, il a pleuté, hein. Mais comme ça, des pleux qui tombaient, hein. Alors, hein, le matin, évidemment, moi, je me réveille en retard, hein, vite, vite. Le petit café, allez, vite, on se dépêche. Je vais à l'auto, j'ouvre la portière. Je vois le siège. Mestnat, fumier mouillé comme une sponge, hein. Je dis, allez, je vais pas aller mettre mon derrière là-dedans quand même, hein. Allez, vite, je retourne à la maison, je rentre dans la cuisine. Dans la cuisine. Ça, c'était la semaine avant. Dans la cuisine, hein. Et je prends un sac poubelle plastique comme ça, hein. Je mets sur le siège. Mais c'est pas mouillé. Et alors, vite, volle gaz, hein. Rattraper le temps perdu, hein. Chez moi, c'est une petite rue, hein. Très streu comme ça, hein, très... Et alors, vite, rattraper. Et en une fois, je vois devant le camion poubelle. Je dis, oui, je veux freiner. Mais c'est un automatique. Je freine bloc, mais avec le plastique, ça slip. Avec mon genou sur l'accélérateur, mes dents dans le volant, mon front sur le klaxon, stuu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 u
tous les morceaux de mon corps dehors du camion poubelle, elles sont un peu triées quand même. Hein. Ça, c'est melon, banane, ça, c'est tomate. Non, c'est la foie. Et alors, ils ont mis tous les morceaux sur mon corps, comme ça. Et tous les numéros, ils ont encodé dans le computer. Hein. Et après, avec la chirurgie, ils ont tout remis à sa place. Tout en ordre. Formidable. Hein. Tout en ordre. Allez, presque tout, allez. Mon nez, c'était le numéro 9. Et mon zoppe d'oeil, hein? C'était le numéro... 6, ja. Wij zijn van fout, hè? Ils ont mis le 9 à la place de le 6 et le 6 à la place de le 9. Ja, mais ça, c'est embêtant, hein? C'est un changement, hein, ça? C'est un changement au bassin de natation de maillot de bain. Un comme ça et un comme ça. Et toujours, j'avais un pince-nez. J'avais toujours le nez dans l'eau. Oh, c'est embêtant, hein? Toujours un pince-nez et toujours aussi un cache-machin, allez. Toujours, hein, même à la maison. Hein? Parce qu'une fois, j'en fais pas. Hein? Et les gamins, oh, papa, il ment, son nez grandit. Ben moi, je dis, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, mais ça, ça fait mal aux oreilles, ça, hein? Oh, c'est embêtant, hein? Ben, j'avais toujours peur pour attraper un rhume. Parce qu'une fois, j'ai eu un rhume, hein, quand j'avais ça. Oh, c'est embêtant, hein? Chaque fois que j'éternuais, j'avais le pantalon qui gonflait comme ça. Hein? Oh, c'est embêtant, ça. Je vais arriver maintenant, hein. Je vais arriver. Je vais faire petit problème, hein. Mais allez, Wolleke m'a bien aidé, hein, quand j'avais ça. Elle m'a bien aidé. Parfois, elle disait, tu mets un peu trop ton nez dans mes affaires et tout ça, mais c'est pas moi. Moi, j'aime bien Wolleke. J'aime bien. Je suis très amoureuse encore, hein, ce Wolleke. J'aime pas quand elle est triste. Ça, j'aime pas. Ja, elle est pas très longtemps, là, 6 ou 7 semaines. Elle était triste. Hein. Elle était triste parce que la machine à laver, elle était tombée en panne. Kapot. Je dis, Wolleke, pas de problème. Un mot, un geste, Luxke doet zijn best. Va chercher les hôtels, moi je mets la salopette. Hein. Et c'est une machine, occasion que j'ai acheté, mais professionnelle, hein, grosse comme ça. Hein. Et alors elle dit comme ça à moi, elle dit, c'est le grosse caisse qui l'est bloqué. Le tambour qui l'est bloqué, le tambour. Hein. Je dis, ça va, je vais voir, je mets la salopette, j'ouvre la machine, et alors je rentre dedans comme ça, avec mes épaules. C'est difficile, hein? Je rentre dedans et je vois un genre, un caoutchouc, qui est quoi, tout gonflé comme ça, hein? Avec de l'eau ou quoi, je sais. Tout gonflé, je vois c'est coincé dans le tambour. Je dis, oui, c'est un macabé d'abord. Hein? Je dis, ça, c'est le dernier technicien, il n'a pas trouvé la bonne et s'est suicidé. Hein? Non, alors je vois c'est un genre caoutchouc. Et je passe ma main comme ça pour aller chercher. Et alors il y a Wolleke qui crie. Ça va, j'ai trouvé. C'est le plomb qui est sauté. Et elle le remet. Et la machine se remet en route. Sur programme essorage. 900 tours minutes que ça fait, hein? Et chaque fois, ce gant dans ma gueule, je prenais 15 baffes en une seconde. Après à peu près 150 baffes, je dis, moi, je dois faire quelque chose ici, je dois faire.
J'ai dit, je vais mordre dans le gant. Et alors la machine, elle va s'arrêter. Je fais ça. Sans t'en vu que cette machine, elle s'arrête. Hein. J'ai commencé à tourner aussi vite que la machine, avec mes jambes dehors, comme ça. Et y a Wolk qui voit, elle veut venir m'aider. Elle a pris mon talon dans son manteau. Comme un karatéka. Comme un karatéka. Jean-Claude Van Damme, c'est un petit enfant à côté de moi. C'est vite ça a été. Voilà, elle était dans les pommes, Wolk. Et alors le programme Sorage s'est arrêté. Et c'est le programme Rinçage qui a commencé. Ah, ça faisait du bien à ma figure. Et alors, j'ai glissé dehors hein, avec le savon. Le gant, il est tombé tout seul. Il était mûr, hein, je crois. Et pendant 15 jours, hein, j'ai senti l'adoucissant à la lavande. Oui, ça, c'était un stut, hein. Ça, c'était un stut, hein. Je sais où il a été. Il a été un mur qui crache. Mr. Cash, le bon contact là, machin. Il a été là-bas, oui, parce que quand il est arrivé, il a dit, je peux pas oublier d'aller au mur qui crache pour de l'argent qui coule, il n'avait plus de liquide. C'est là qu'il a été. Et alors, moi, j'ai dit à lui, j'ai dit, tu dois aller à Bruxelles, il y a une toute nouvelle machine. Tout nouveau, tu dois aller là-bas. C'est formidable parce que cette machine, elle me connaît, moi. Elle parle à moi. C'est tout nouveau, hein. C'est une machine. Allez, je vais expliquer, essayer. Laissons dire que la machine, elle est ici. Comme ça, hein? Ici. Là, toi, tu vois plus très bien. Alors, hein? Allez, elle est ici. Et alors, tu dois toujours avoir une carte de banque, hein. Parce que c'est vrai, c'est facile, hein, les machines comme ça, distributeurs automatiques, c'est facile. Avant, qu'est-ce que tu devais faire? Tu devais aller faire la file dans la banque à l'intérieur. Maintenant, tu peux faire la file dehors, il pleut, il fait froid. C'est beaucoup mieux, hein, c'est bien. Il y a toujours de l'argent, toujours. Jusqu'à 9h le samedi, le matin, il y a toujours de l'argent. Hein. Alors, tu as toujours la carte de banque. Tu mets dedans, tu vas voir qu'elle me connaît. Tu mets dans le petit fond. Bonjour, monsieur Dirix. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le savais pas. Hein? Cette machine, elle me connaît. Hein? Elle a dit, monsieur Dirix. Hein? Monsieur Dirix, c'est moi. Dépêchez-vous, d'autres attendent leur tour. Yeah. Dites-moi votre code secret. Il y a un peu de monde. Hein? Bon, alors, oui, le code secret, ça, tu dois toujours avoir. Hein? Tu dois bien avoir dans ta tête. Avant, moi, j'avais un truc, hein, j'avais un code qui n'était pas facile pour retenir. Alors, j'avais fait graver mon code à l'intérieur de la branche de mes lunettes. Là. J'avais toujours sur moi, hein, formidable. Hein. Mais j'avais besoin de mes lunettes pour lire. Hein, ça, c'était... Moi, alors, je demandais derrière, hein, tu veux pas lire ici, ça? Les gens, ils sont gentils, hein, ils disent... Hein. Il y a même qui disaient, enlève pas tes lunettes, je connais par cœur, et ils disaient... Hein, ça, c'est facile. Hein? Tu ne dois plus dire, hein? Plus toucher sur les touches, qu'est-ce que ça te dit. Maintenant, moi, j'ai un code, c'est très facile pour retenir. C'est, allez, comment je dois dire, c'est les centimètres de moi au-dessus de un mètre. Hein? C'est mon grandeur. Hein? Et alors aussi, mon lourdeur. Hein? Alors, c'est facile parce que c'est 75. Code incorrect, deuxième essai. Malin. Peut-être un peu lourdi. 75-80. Code incorrect, troisième et dernier essai. 73-88. Et demi. Code incorrect, votre carte est confisquée. Allez. Votre compte est bloqué, le quartier est cerné. Levez les mains et dites, je me rends. Je me rends. Je me rends, pas tirer. Je me rends, pas tirer. C'est pourri. Le code est correct.
Combien désirez-vous retirer? Je le sens 20. Je veux 1000 francs. Votre compte est-il suffisamment approvisionné? Allez. J'ai mis 2000 francs ce matin de 5000 que j'ai enlevé avant-hier. Hein? Alors il est suffisant. Ça va là. C'est apprivoisé. À quoi doivent servir les 1000 francs que vous demandez? Moi, je dois dire pourquoi je veux 1000 francs. Cette machine, les autres. À quoi doivent servir les 1000 francs pour la deuxième fois? Je vais quand même pas aller dire une connerie de machine. Pourquoi moi je veux les 1000 balles que c'est mon... C'est encore une blague. Je ne m'appelle pas TV Thor. Ceci est sérieux. Hé, c'est mon pognon, hein? C'est moi qui ai mis sur le compte, hein? De compte que c'est le numéro 104... 208, je sais plus le numéro, mais c'est mon pognon que j'ai gagné à la transpiration de ma tête et j'ai mis sur le compte. Et si tu donnes pas le pognon, moi je casse ta vitrine tout de suite ici, hein. Tu vas donner ça. À quoi ou alors les 1000 francs c'est mon... la troisième et la dernière je fois. Dis que... Si la question je reste dis... sans réponse, je la carte sera confisquée. Elle est fâchée. Bah, je vais le dire alors, hein. C'est vous que elle a donné de l'argent à moi pour aller faire les commissions. 12 courtelettes de cochon chez le boucher. Et alors aussi 6 balletjes tomatensaus comme ça. Moi, j'aime bien sur le spaghetti comme ça, avec un peu de fromage. Mais alors, hein, j'ai rencontré Jean, l'électricien, mon copain. Lui, il a payé la première bière, hein? Et moi, les 18 autres. Et alors, maintenant, je n'ai plus que 12 francs. Mon fils, savez-vous que vous avez commis là une bien vilaine action? Oui, mais je le ferai plus. Le regrettez-vous, mon fils? Oh oui, oui, surtout qu'avec 12 francs, tu as plus de bière, hein, ça fait. Dans ce cas, vous me ferez 3 patères et 2 avis. Et puis, prenez et dépensez, ceci est mon argent. Amen. Je crois qu'elle ne va plus arriver. Alors, je vais peut-être faire encore le poème qu'il y a encore. Hein. Ici. Attends, voilà. Ça, c'est. Jean et Jeannette. Jean et Jeannette. Jean, mon chéri, tu grossis. C'est à cause de la bière, ma Jeannette chérie. Dans ce cas, mon Jeannot, évite la bière. Et Jean s'écria, garçon, une bière, évite. Qu'est-ce que c'est encore? J'ai une toute petite. Enfin. C'est un tout petit, c'est pas long. Allez, c'est très court. Allez, c'est... Voilà. C'est le titre. Mais c'est un peu difficile, hein. Le titre, c'est Réincarnation. Réincarnation. Il faut que je change de pédicure. C'est un peu casse-pied, celle-là, hein. Ceux qui ont compris racontent aux autres après. Alors, on va finir avec celui-ci. Le petit joue les grands. Le rusé joue les imbéciles. Le musicien joue les notes. Le comédien joue son rôle. Et le cocu joue tout seul. Thank you.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Bon alors j'espère que tout le monde est en place. Caméra 1, caméra 2, caméra 3, Pilou. Tu prends pas mon profil gauche, hein, Pilou. Bon ça va. Bon on va commencer l'émission. Alors émission culinaire, tout le monde est en forme, on y va, on y va, on y va. Hein, tout le monde a le sourire, tout ça c'est l'émission. Attention, 3, 2, 1, tape. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, nous sommes repartis pour cette nouvelle émission culinaire. Alors nous avons le grand plaisir d'inviter ce soir un grand maître queue. Il s'agit de monsieur Persil Haché, qu'on applaudit bien fort. Ah ben, je vous attendais pas par derrière. Bonsoir, Percy Lachey. Alors, vous allez nous présenter ce soir une recette de soupe à l'alcool, je crois. C'est ça. Alors, c'est dites-moi ça. C'est une soupe à l'alcool et en trois alcools blancs. Oui. Qui entre dans la confection de cette soupe. Ah ben alors, quels sont-ils? Eh bien, c'est donc ici le gin à 40 degrés, et c'est la vodka à 56 degrés. Oui. C'est drôle, ça, là. Et alors ici, ça, c'est la Slivovitch à 67... Non, attends, c'est pas juste. C'est ça, la Slivovitch à... Je vais écouter, hein, ça, oui. C'est peut-être... Ben, comme vous pouvez le constater, chers téléspectateurs, il s'agit d'une recette oui, un petit être... peu particulière. Il n'y a pas que la recette qui est particulière ici, hein, ça, je peux te dire, hein, ça, c'est... Voilà, ça, c'est alors, vous les avez repérés, Persil Haché? Je les ai repérés, comme tu dis, ça, je les ai repérés. Hein? Alors, et ça, c'est donc bien la vodka à 40 degrés. Ça, c'est bien le gin à 56 degrés, enfin, c'est là. Et voilà. Alors, où en est-on, Persil Haché? On est, et alors ça doit... Attends, ça doit être la... La Slivovitch. Ouais, mais j'ai pas encore goûté, hein, attends, ça... Ah oui, ah, c'est là, la Rachadi. Ça, c'est la Slivovitch, oui. Voilà, alors, comment allons-nous posséder Persil Haché? Achille Persé. Oh, ben, excusez-moi, je vous ai pris à l'envers. C'est une tempête, hein, ça! Bon, alors, comment allons-nous procéder, Chilou? Chilou... Eh bien, c'est très simple. C'est très simple. Ici, nous avons un litre de bouillon de poule. Un litre de bouillon de cocotte? Cherche pas, elle est partie, la cocotte, hein? Un litre de bouillon de poule dans lequel nous allons ajouter d'emblée... Un peu de gin à 40 degrés. Où est-ce qu'il est maintenant, le gin? À mon avis... Non! Non, non! Non, non, il n'est pas là. Il n'est pas... Ça doit... Attends, ça... On va... Ça, c'est la... Attends, je vais voir... La vodka. Ça, c'est... C'est la vodka. La vodka. 56 degrés. On met un peu de vodka dedans. Voilà. Alors ici, on met un peu de... Slivovitch! Elle arrache, là! Slivovitch, je pense que c'est ça. Et alors, ici, on va encore mettre. De gin! À 40 degrés. Voilà. Ben alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai déjà au moins 456 degrés dans le coco. Oui, non, non, non. Je veux dire, qu'est-ce que je fais avec vos petites boulettes? C'est une tempête, j'en suis sûr! Non, mais c'est parce que je vois que vous avez déjà roulé toutes vos tapettes, toutes vos boulettes à l'avance. Ah, le haché de veau! Oui. Oui, c'est vrai que j'ai déjà boulé les roupettes. Alors, j'ai. En l'avance. Alors, on va ajouter délicatement dans le bouillon de veau. Oui. Il y a longtemps qu'on répète en fait ça, hein, j'y crois. Voilà, délicatement dans le bouillon de poule. Oui. Et alors, ensuite, c'est une tempête, on a saison. On va assaisonner avec un peu de sel. Un petit peu de sel. Voilà. On va mettre un peu de poivre, mais là, il faut mettre... Tout petit peu de poivre.
Tout. Ah, patatras. Patatras. Ton patatras, ça te... Quoique, moi j'aime encore bien poivré. Oui. Moi j'aime encore bien. Alors on va mettre un peu de thym, j'ai encore un fond ici. Oh, ça le fond de thym, j'aime encore bien. Ça, j'en suis sûr. Un peu de thym. Du laurier, oui. Du cerfaud, risque du cerfaud, du pilou. Du pilou-pilou. Non, pas de pilou-pilou. De l'estragueuil, on peut aussi mettre si on veut, un clé de girofle. Un clé de girofle. Un clé de, ou en défaut, de taurus. Hein? Un clé de taurus, ça, il connaît pas. Ça dit que ton patin, il connaît pas. Allez, un clé de taurus. Hein? Et alors, on finit avec. Chouïa, je... Tout petit. Ouais, chouïa, hein, pas trop de... Slimovic, encore les secours. Un Slimovic à 65. Un clouche de vodka à 56. Et alors, surtout... Ah oui, surtout, ça c'est très très important, notez-le. Surtout, pas de gin. Pourquoi pas de gin? Parce qu'il n'y en a plus. Un peu, ça serait trop alcoolisé. Et toi, tu me plais quand même encore assez bien, je dois dire. Oh, une tapette. Spectateurs, bonsoir. Et oui, comme vous pouvez le constater, nos amis présentateurs habituels sont absents ce soir. Et c'est moi, dès lors, qui vous présenterai les nouvelles d'aujourd'hui. Ça va comme ça, la régie? Ça va, c'est bon, ma voix passe bien? Bon, donc, moi, je démarre dès que la lampe rouge s'allume. Dès que la lampe rouge s'allume, je suis sur antenne et je dis mon texte. C'est ça, celle-là. Donc, dès qu'elle est allumée, je suis sur antenne et je dis mon texte. Ça va, j'ai compris. J'ai compris, tu peux éteindre. Tu peux éteindre. Merci. Comment? Oui. Oui, là j'ai le moniteur, là. Ouais. Je me vois dedans, ouais. Ah, oui, je me vois dedans. Ouais. Comment? Non, je suis attentif, là. J'attends. Chers spectateurs, bonsoir. Bonsoir. Chers téléspectateurs, bonsoir. Chers spectateurs, bonsoir. Chers spectateurs, bonsoir. Thank you.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Eh oui. Ah non. Mais si, comme vous pouvez le constater, nos amis présentateurs habituels sont absents ce soir. Et c'est moi dès lors qui vous présenterai les nouvelles d'aujourd'hui. Et tout d'abord en sport... politique intérieure. Les rapports entre la droite et la gauche semblent se centrer sur le sujet brûlant du jour et cette nuit. Du jour. Point. Et cette nuit, virgule, ce n'est qu'à l'aube, virgule, qu'une solution, solution qui est complètement illisible. Et l'on pourrait se demander où est la solution, point d'acteur. Et l'on pourrait se demander où est la solution, point d'interrogation. 3 paquets de solo, 2 boîtes de kit et 4, un pain ménage tout de plus. Mais tout de suite, le sport en image. Quelques instants, vous allez avoir le sport en image. Les images de basket. Football, peut-être, je sais pas moi. Quoi? Y a pas? Y a un tout petit incident technique. Alors voici les prévisions météo, c'est logique, pour demain. Situation atmosphérique générale. Le vent du nord se dirigera vers le sud, oui. Il sera très fort à pas fort, mais moins fort que trop fort et plus fort que pas fort. La bise, quoi. À la côte, 3 ou 4 beaux forts et pour le reste, que des petits gros. La journée de demain sera donc belle, mais plus tard dans la soirée, il commencera à faire nuit. Mais ceci seulement jusqu'au lendemain matin. Rasseyez-vous, rassurez-vous. Et voici pour terminer quelques informations à la batellerie, à Ampe-Saint-Neuville, 2 poutrelles levées, à Thuin, 3 vannes fermées, et à Grand Malade, l'éclusier bourré. Chers messieurs, au revoir, et à demi, et à demain, et à demain. Au revoir. Aide-moi. Au revoir. Ah oui! Nous avons un invité en studio. Quelqu'un que vous attendiez tous d'ailleurs, quelqu'un que vous connaissez tous, qu'il est même pratiquement inutile que je vous présente. Ah ben voilà, c'est Marcel, bien sûr, Marcel Ulite, qui va vous présenter le week-end sportif. Alors à vous, Marcel Ulite. Merci Guy, et c'est pas trop tôt. Chers amis sportifs, bonsoir. En tennis, tout d'abord, Pete Sampras a battu André Agassi par 6-3, 6-4, 17, 18, 23 et 32. Numéro complémentaire, le 13. Ceci pour les simples messieurs. Tandis que c'est Vera Schlitterskloger...
C'est Vera. Schlitosklakoi. Schlikotak. C'est Vera. Schlitotoskaskolki. Qui a pris le meilleur sur Lara Navaralistliki. Sur Lara Navaratasna. Narastila Vostoya. En simple dame. Pourvu qu'elle joue jamais en double. En haltérophilie, c'est le Libanais, Scout et Boule. Scout et Boule, ça doit être un nouveau venu. Scout et Boule. Scout et Boule qui a établi un nouveau record du monde en soulevant à l'arraché 722 kilos. Il a cependant été disqualifié pour avoir soulevé l'haltère d'une seule main. En waterpolo. Waterpolo. Polo a battu Walter par 6-2. Au lancement du poids, le soviétique Lachtaboulski a battu tous les records en lançant le poids à 20 cm. Le perchiste japonais. 20 cm. 20 cm. C'est aujourd'hui. Ah non. À 20 cm des limites du stade, le perchiste japonais, Yamakan Kekase, a expérimenté cet après-midi un nouveau modèle de perche. Perche très spéciale, munie à chaque extrémité d'une ventouse. L'une s'applique au sol, l'autre aux fesses. Yamakan Kekase perche toujours. Plongeon artistique, une première dans cette belle discipline qu'est le plongeon artistique, le Norvégien. Tape ta tête sur le bord. A exécuté un triple saut périlleux arrière, suivi d'un triple saut périlleux avant, avec vrille, saut de carpe, coup de pied à la lune, coup de poing à la face, et direct du gauche au foie. Hein? En golf, c'est Ballesteros qui l'emporte. Ballesteros que vous connaissez probablement avec son coup de club, son swing d'une puissance fabuleuse. Cet après-midi encore, il a propulsé une balle dans les airs. On ne l'a jamais retrouvé. Au tir au clé, c'est un serrurier allemand qui a fait le meilleur score. Il a abattu 50 pigeons d'argile. Et une balle de golf. Et enfin, ok, c'est le picastan, le spicatan, le pastanqui, le castanpi, le catanpi, tant pis. Tant pis donc, le match a été remis, chers amis sportifs, bonsoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup.